Ah putain. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else will quit, and you're not gonna stop there. So just do it. Bonjour. Y'a quelqu'un? La vaisselle, ça va? Au calme? Toujours pas faite? Quelle connasse celle-là, hein? Le balai? Comment il va le balai? Ça va, au calme? Ça fait plaisir! Toujours là, le balai, toujours présent! Fait bon vivre ici, n'est-ce pas? T'as encore bu des bières, Alfred? Putain, mais Alfred! Merde, Alfred! Ça va, Alfred? Putain, à chaque fois que je le vois en vidéo, je me dis putain, c'est Alfred. Il va bien, il est là, il est trop calme, il est au chaud! On part sur quelque chose comme ça. Un processeur, mesdames et messieurs, octocore! Octocore! 3,4 GHz, mesdames et messieurs! 16 Go de RAM DDR4, un SSHD de 2 Teraoctets. De stockage, mesdames et messieurs, c'est absolument infini, d'accord? Ça y va, ça y va, ça y va! Les aristochats de la manière. Bref. Et bien sûr, la carte graphique, la fameuse GeForce GTX 1070 de Nvidia. Ça, c'est un délire. Un délire, mesdames et messieurs. Compatible VR, donc réalité virtuelle, si jamais l'envie m'en prend, mesdames et messieurs, de mettre un casque et de me retrouver au milieu de petits nichons comme ça qui me caresseraient la joue. Tout ça, c'est possible. C'est possible. Alors, le prix, mesdames et messieurs, c'est 1482 €. Alors, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Alors, c'est pour vous dire, imaginez par exemple, j'achète un Mac. 1400 €, j'ai la moitié de cette config, tu vois. Et encore, peut-être. Bref, j'ai vraiment envie d'être à l'aise niveau montage, niveau jeux vidéo, parce que j'adore les jeux vidéo, mais depuis que j'ai ça, là, ce truc, cette chose-là, ben, je peux plus trop vivre ma passion, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, moi, j'aurais bien aimé faire des vidéos là-dessus, sur des jeux vidéo et tout, qui me font kiffer, parce que de temps en temps, je joue comme ça, puis je me tape des énormes barres. Et c'est vraiment des trucs que j'aimerais bien monter, faire des vidéos là-dessus, etc., ça me ferait vraiment kiffer. Voilà, donc c'est mon petit bijou, tu vois, mon petit bijou à moi que j'ai envie de m'acheter, les gars. 1482 € par contre, d'accord. Sachant qu'il faut aussi que je m'achète un écran, un moniteur, voire deux. J'aimerais bien m'acheter deux moniteurs, attention, je vais vous les montrer aussi. Parce que c'est vrai que celui-là, il vieillit aussi un peu. Hein. La résolution est assez faible, la résolution, et ça, tu peux pas travailler là-dessus, hein. Ça te fait mal aux yeux, frère. S'il est pas loin de toi, ça t'a mal aux yeux de ouf. C'est pas possible de vivre comme ça, les gars, non, je vous dis non, je vous dis non. Donc voilà, j'ai calculé. L'ordinateur, les écrans, les accessoires, etc. Il y en a pour environ 2000-2300 €, je dirais. Et là, je suis bien, les gars. 2300 €, je suis à l'aise, je suis au chaud. Donc aujourd'hui, on est mardi, mesdames et messieurs, mardi 11 avril 2017, et je me donne une semaine, c'est-à-dire, enfin une semaine, que dis-je? Une semaine, en fait, vendredi, je pars en week-end, bah, du coup, non, je me donne... Je me donne 4 jours. Donc, c'est parti. On a 4 jours pour réunir 2400 €. Et si on les réunit pas, je veux, les gars, que la route pour qu'on ait mis en place une méthode qui va durer quelques jours encore. Mais il faut que la méthode soit en place et que cet argent arrive, tu vois. Il soit sur la route. Même s'il n'est pas là, il faut qu'il soit sur la route, d'accord? Est-ce que c'est bien clair, mesdames et messieurs? Là, les gars, je ne veux pas de maillon faible dans la maison, d'accord? C'est clair? Mesdames et messieurs, c'est parti. C'est le 2400 € challenge. Bon, je vous explique ce qui se passe là, c'est que en fait j'ai plein de résolutions et pour les sceller en fait, pour les sceller dans le marbre, pour ne pas jamais les oublier, je vais me les tatouer. Je vais me tatouer cette phrase Just Do It qui m'a beaucoup aidé quand j'ai eu besoin de motivation et c'est quelque chose que je veux vraiment voir tout le temps. Est-ce que tu vois le délire? Voilà, donc là c'est parti. On va le faire ici, je pense, sur l'avant-bras là. On va voir. Je vais le faire juste ici, là, comme ça, à l'ancienne. Comme ça, je le verrai tout le temps, ce petit enculé. Every day. Yeah. Chaque soir, je commets le daily. Négro, je suis sapé comme Billy. Après, vers the sky, je fly. Et je crois pouvoir voler comme... Bonjour. Ouais, je suis un peu moins discret qu'avant, tu vois. J'espère que ça va me servir dans ma vie, ce tatouage. Mon tatouage, ça intérêt à me servir dans la vie. Il va me servir. Tu vois, Michel, je sors du Franprix, là. J'ai acheté 2-3 bricoles. Et le mec, il me dit, t'as la carte de fidélité. La carte de fidélité. Eh, ça fait 4 ans, 5 ans, je sais pas. 4 ou 5 ans, j'habite ici. Analysez un peu l'action que c'est d'avoir une carte de fidélité. Ça veut dire que tu fais l'effort
de faire une carte, l'activer en ligne, d'accord? Et ensuite, il faut que tu la gardes tout le temps sur toi, cette carte, d'accord? Et après, à chaque fois que tu vas faire des courses, il faut que tu la sortes, que tu la trouves, et que tu penses à la donner surtout. 4 ans d'efforts, j'aurais gagné peut-être 30 euros, tu vois, maintenant. Après, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Ouais, mais est-ce que les efforts faits pendant 4 ans, frère, ils valent 20 euros? 20 ou 30 euros? Je suis pas sûr, mon pote. Bon, voilà, tout ça pour dire que les cartes de fidélité, Franprix, tout ça, Carrefour, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde d'économiser, je sais pas, 1% de ce que t'achètes à chaque fois. Non, mais attendez, attendez, non, mais allô, on se tape sur la tête, là, d'accord? Non, c'est des conneries. Allez, on rigole, on rigole. Mais il est l'heure de passer à l'action, mesdames et messieurs. Alors, j'ai acheté un peu de drogue. Red Bull, vous-même, vous savez à quoi je tourne ici. Donc ça, c'est la réponse, hein. Comment être motivé? Ça sert à rien de se faire chier, être... Non. Travaillez pas beaucoup, mais quand vous le faites, franchement, prenez de la drogue, c'est pas grave. Non, vraiment, vraiment. C'est mon conseil pour les jeunes. Ne travaillez pas beaucoup, mais quand vous le faites, droguez-vous. Droguez-vous. N'hésitez pas, hein, allez-y. Red Bull, pourquoi pas. Café. Du moment que vous avez du café, prenez du café. Tiens, j'ai ça qui traîne, là. Ça, c'était ma copine qui prenait ça à l'ancienne. Beroca Boost, là. Alors ça, le matin, vous prenez ça, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Une fusée dans le cul, vous avez. Je te jure. T'es là comme... Tu peux plus t'arrêter, frère. Tout ce que t'avais à faire, tu le fais. Dinguerie. Vraiment, il faut se mettre en condition, tu vois. Les jours où tu vas travailler, c'est ça le secret. Il faut se mettre en condition, d'accord? Et la journée, elle commence pas le matin. Non. Elle commence là où quand vous couchez, tu vois. Quand tu vas te coucher, faut que tu sois en mode... Ok, là j'ai tout bien fait, tu vois, demain, tac, demain je fais ça, tac, et tu dors bien. Et le matin, frère, tu te lèves comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bang, tu fonces. Ok, mes négros. Alors c'est le dernier jour de prise de créneau normalement aujourd'hui, sachant que Safomatic va normalement bloquer son API cette semaine, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc écoute, on verra. Du coup, ouais, 15h c'était Bordeaux là, juste à l'instant, ça vient de bien, très bien se passer. Très bien se passer. Sur 67 shifts réservés sur Bordeaux, il y en a eu 3 qui n'ont pas pu être pris. D'ailleurs, je pense que c'est une question de mauvais choix de l'utilisateur, une mauvaise horaire, un mauvais jour. Ça peut vite arriver. Hein. Félicitations à ceux de Bordeaux qui ont utilisé le site. Vous vous mettez bien, mes petits coquins. Il est 18h47, mesdames et messieurs, on a bien bossé aujourd'hui, on a bien avancé tout ce qui est niveau le nouveau business, hein, le nouveau petit business qui va nous permettre de survivre, hein, et surtout d'atteindre ce but, ce petit PC, hein. On va le regarder encore une fois, hein, parce que là c'est la fin du vlog. Par contre, j'aime pas trop le boîtier, moi. Je trouve que ça fait un peu trop, vous savez, ça fait un peu trop geek, quoi. Ça fait un peu trop gamer, moi je suis... C'est bon, j'ai grandi, tu vois. Gamer, ça va 5 minutes, hein. Ça va 5 minutes, gamer. Du coup, Ah, mais de toute façon, c'est en kit qu'on l'achète. Donc forcément, t'as le choix, en fait. Tu peux prendre n'importe quel boîtier. Moi, je vais prendre un truc, vous savez, un truc avec des vitres. Ouh, ça va être stylé. Une grande vitre, tu sais, où on voit tout. Avec des néons dedans. Non, pas de néons. Je sais pas. J'hésite. Les néons, c'est quand même... Ça fait un style, mais après, c'est chiant. C'est de la lumière en plus, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je crois pas. L'essentiel sera quand même le silence. Le silence du ventilateur, ça c'est très important. J'attache une grande importance au ventilateur. Enfin bref, les gars, on s'avance. Bon, et inutile de préciser, mesdames et messieurs, qu'on va essayer de vloguer plus souvent, de vloguer l'avancée vers ce projet, de vloguer tout ça. D'accord, les gars? Hein? Parce que c'est important de vloguer. C'est important de vloguer quand on va vers un objectif. Honnêtement, c'est très important. C'est très important parce que je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la pression. Franchement, la pression que t'as quand t'annonces quelque chose à des gens, tu vois, tu publies, tu le mets en ligne, tu dis ouais, ok, je vais faire ça, vous allez voir, moi, c'est comme ça que je fais. Et après, de quoi t'as l'air si tu le fais pas, le truc? Bah ouais, négro, t'es baisé. C'est pas ça que tu veux. Tu veux pas être baisé. Personne ne veut être baisé. Non. Voilà. C'est pour ça que je fais ça et ça marche bien. Ça marche bien, donc voilà. Par contre, le problème, c'est aussi que vous savez pas ce que j'ai à faire. Vous savez quoi? Je vais vous dire ce que je fais, les gars. En fait, là, je suis en train de travailler sur des solutions pour travailler le maximum possible. Donc,
voilà, c'est des... En fait, je travaille avec des mecs qui veulent vraiment travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, je leur fais des trucs pour eux, juste pour eux. Et c'est lucratif, les gars. C'est très, très lucratif. Et ça, avec ou sans blocage de Staffomatic, ça peut se faire. Donc voilà, je les baise, moi. Je les encule. La piraterie n'est jamais finie, mesdames et messieurs. La piraterie n'est jamais finie. Non mais ça rapporte du fric, alors pourquoi arrêter, j'ai envie de dire, hein. Au bout d'un moment les gars, oh, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas là pour s'acheter une Ferrari à la fin de l'année. Non, pas du tout, c'est pas là, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour le million. Le million. C'est sur ce splendide coucher de soleil, mesdames et messieurs, que la journée s'achève. Donc allez la famille, à bientôt. À bientôt.